Seigneur, nous te remercions encore pour ce nouveau numéro que tu nous as accordé. Comment ne pas te louer, Seigneur? À qui pourrions te comparer parmi les dieux de ce monde? Nul ne peut se comparer à ta grandeur. Nous te disons merci pour ce nouveau numéro. Je te recommande toute personne qui nous regarde en ce moment dans tes saintes mains. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, afin que ce direct Seigneur trouve place dans la vie de quelqu'un. Afin que quelqu'un soit sauvé par ce direct, afin que quelqu'un soit libéré de ses fardeaux. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui prend absolument contrôle du début de ce direct jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir. Où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, je voudrais saluer ceux qui sont en direct en ce moment. Je voudrais saluer l'honorable Razoumain qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je voudrais saluer aussi la sœur Cristiano Daga, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie ce soir
d'être encore devant vous parce que le Seigneur n'a pas permis que je disparaisse de cette terre. Le Seigneur n'a pas permis que vous, aussi chez vous, quelque chose de grave vous arrive. Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Que son nom soit glorifié. Nous allons débuter notre émission de ce soir avec une louange de Dieu. Elle s'appelle Sandra, en featuring avec Fiston Mbouyi. Dans Malaba, et Zaga. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons cette belle mélodie pour la gloire du Seigneur. On y va. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour. Bon Yesu nandi mi babe na bali boma. Naboyi na zala complice ali baby na ngamoko. Masia Yesu sungela ngamote ma. Bienvenue le frère Rachel. Rachat Paki, que le Seigneur te bénisse. Ah, c'est Richard, excusez-moi, j'ai confondu avec un autre nom. Sois bienvenu. Sois le bienvenu, mon frère Richard Paki.
Alléluia. Je suis dans la joie, je sais que vous êtes aussi dans la joie. C'est une grande joie pour moi. Si à chaque fois Dieu me donne le souffle de vie, je dois le louer. N'oubliez pas de partager ce direct, comme j'ai l'habitude de dire. Ça fait partie aussi d'évangélisation. Ça va donner la joie à quelqu'un. Ça va édifier quelqu'un. N'oubliez pas de partager à un ami. N'oubliez pas de partager dans les groupes parce que ça va édifier quelqu'un. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce direct tous les samedis. Tous les samedis. Une heure d'adoration, une heure de louange dans la présence du Seigneur. Si tu contribues aussi à cette œuvre de Dieu, tu auras une grande bénédiction en retour. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie. Je voudrais aussi saluer le frère Olivier Nouminako. Nouminako depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, frère Olivier. Nous allons encore adorer notre Dieu. Nous allons encore louer notre Dieu. Il est digne de louange. Maintenant, nous allons au Ghana. Il s'appelle Koda. Il est en featuring avec Ebène du Nigeria dans Game Over. En complicité avec la régie. On y va pour la gloire du Seigneur. Écoutons Koda. Jesus, we have the victory. Chanteur Jomaki depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct. Soyez bénis.
Alléluia. Je sais que vous dansez aussi chez vous, parce qu'il y a une grande joie pour moi de vous retrouver ici, parce que c'est comme si vous êtes devant vous, devant moi plutôt, c'est comme je vous vois en face, parce que nous sommes dans le même esprit. N'oubliez pas de partager ce direct. Et n'oubliez pas aussi d'identifier quelqu'un que quelque chose se passe ici tous les samedis, 1 heure dans la présence de notre Seigneur Jésus, 1 heure dans la présence de notre roi, le roi des rois, 1 heure d'adoration, 1 heure de louange, 1 heure de joie. Soyez bénis. La Bible déclare, même le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole. Nous ne pouvons pas rester ici sans partager la parole. Quand on évite de ses amis, quand on évite ses proches, on est obligé de partager quelque chose. Une petite boisson, une petite nourriture. La nourriture que nous partageons ce soir, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas rester ici, danser et louer, rester dans la joie, sans partager une petite parole qui va être une grande chose dans nos vies, qui va changer notre vie. C'est pourquoi tous les jours nous partageons, tous les samedis à partir de 18h, nous sommes ici pour partager la parole de Dieu, pour partager la joie avec quelqu'un. Ce soir, nous allons continuer parce que nous parlons sur un thème, le thème qui est l'adoration. Et ce soir, nous allons aborder toujours dans le même sens. J'intitule le thème de ce soir l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, la signification de l'idolâtrie, j'ai regardé dans le dictionnaire français, ça veut dire quoi? Culte rendu à l'image d'un dieu comme si elle était le dieu en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui prend une image, qui prend une statue, qui prend quelque chose, une représentation, qui dit voilà, ça c'est mon dieu, c'est ce que moi j'adore. Et qu'il abandonne Dieu qui l'a créé. Celui-là, c'est un idolâtre. Je vais demander à la régie de nous lire le passage qui nous parle d'idolâtrie. Et vous allez voir, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En complicité avec la régie, nous allons écouter cette parole de Dieu. Premier livre des Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qui est en train de parler ici? C'est Paul qui est en train de parler, de donner un conseil aux Corinthiens. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? Comme je vous ai expliqué, quelqu'un qui prend une représentation, qui représente quelque chose, qui fait une image, qui dit ça c'est mon Dieu. Celui-là c'est un idolâtre. Ici nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu qui a créé les cieux et la terre. Là c'est une adoration. Mais quelqu'un qui adore quelque chose que Dieu a créé, celui-là n'est pas un adorateur. Celui-là, c'est un idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. Paul en train de dire aux Corinthiens, c'est pourquoi mes frères fuyez l'idolâtrie. Et il le donne un exemple. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Moïse avec les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, en train de souffrir. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour les sauver. Dieu les a fait passer dans la mer Rouge. Dieu les a fait passer dans le désert. Mais malgré ça, il n'y a pas mieux eux qui sont toujours des idolâtres. Alléluia. Et Paul a dit, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Moïse avec les enfants d'Israël. Ils ont mangé la même nourriture. Il y a d'autres mecs qui ont été baptisés sous Moïse. Ils sont ensemble tout le temps, matin, midi et soir avec Paul. Mais malgré ça, il y a d'autres qui sont des idolâtres. Il y a d'autres parmi eux qui fuient que Dieu
Dieu les a rejetés. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce que quoi? Ils sont des idolâtres. Nous allons encore louer notre Dieu parce que le but de ce soir, c'est de louer Dieu, d'adorer notre Dieu. Nous allons partager de temps en temps la parole de Dieu, mais nous allons encore adorer notre Dieu. Elle s'appelle Emion. Dans Open, Open, c'est l'action de grâce. Dans Open. Écoutez-moi ça, Emion, dans Open. On y va. Chanteur, je vous m'en dis, God bless you too. Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Open.
Alléluia. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a accordé le souffle de vie. Nombreux sont ceux-là qui sont dans les réanimations en ce moment. Nombreux sont ceux-là qui sont dans le séjour des morts. Mais le Seigneur t'a fait une grâce. Il t'a accordé encore le souffle de vie. Tu vas lui dire merci. Nous continuons toujours notre enseignement de ce soir. Et ceux-là, je disais tantôt, qui marchaient avec Moïse, qui ont mangé avec Moïse, d'autres ont été baptisés même sous Moïse, d'autres ont été sauvés par la grâce que Dieu a déposée sur la vie de Moïse. D'autres ont bénéficié aussi cette grâce d'être sauvés. Dieu les a sauvés de la servitude. Dieu les a sauvés, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le désert. Mais parmi ceux-là, la Bible déclare, la plupart d'eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'eux, ça veut dire quoi? La plupart d'eux sont encore dans l'idolâtrie. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont encore dans l'idolâtrie? Parce que quand ils étaient en Égypte, ils adoraient les dieux des Égyptiens. Ils sont habitués à adorer les dieux des Égyptiens. Ils ont un pas dedans. Ils ont un pied dedans, si vous voulez. Un pied dehors. C'est-à-dire, ils faisaient du mélange. Ils n'étaient pas agréables aux yeux de Dieu. Dieu n'était pas content d'eux. Et ceux-là sont des idolâtres. Et parce qu'ils sont des idolâtres, je suis sûr que parce que la Bible a dit, dans le désert, beaucoup ont perdu la vue. Beaucoup ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans l'idolâtrie. Parce qu'ils avaient encore dans leur vie un autre Dieu, à part le Dieu créateur. Et quand tu commences à faire du mélange, le Seigneur te livre au danger. Quand tu commences à faire du mélange, un pied dedans, un pied dehors, demain un pied dedans, un pied dehors, parfois un pied dedans, deux pieds dehors, le Seigneur va te livrer parce que tu n'as plus la protection divine. Quand il pleut, qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Tu prends ton parapluie. Tu es sous ton parapluie. Il y a quelque chose qui te protège contre l'eau. Mais le jour, il pleut, tu prends ton parapluie. Et du coup, tu enlèves le parapluie. Tu vas être mouillé. Exactement. Nous sommes sous le parapluie de Dieu. Dieu est notre parapluie. Même s'il neige, mais s'il pleut, mais si tombe le feu, tu es sous la protection divine. Parce que quoi? Tu as les deux pieds dedans. Tu n'as pas un pied dedans, deux pieds dehors. Alléluia. Ceux-là qui ont perdu la vie dans le désert, ils étaient des idolâtres. Ils sont habitués à adorer les dieux. Ils sont habitués à faire des choses que Dieu a condamnées. C'est-à-dire quoi? L'idolâtrie. Ils n'adorent pas. Mais quand tu as les deux pieds dedans, tu es un adorateur. Mon frère et soeur, ce soir, je veux te dire que tu es un adorateur quand tu as les deux pieds dedans. Mets les deux pieds dedans. Ne regarde pas derrière. Mais si les deux pieds qui sont dedans, en train d'être mouillés ou glissés, résistent. Résistent, mais garde tes deux pieds dedans. Mais le jour que tu vas dire, oh, je vais tomber, je suis en train de noyer, tu mets un pied dehors. Dieu, tu n'es plus sous la protection divine. Je vais vous donner un exemple. Ou une histoire. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire qui m'est arrivée. C'était en Angleterre il y a quelques années. J'étais dans une église bon, vous n'avez pas dit, église des Ivoiriens. Voilà l'époque. Et un frère, un jour, on est parti fêter. C'est un anniversaire d'une sœur de l'église. Et on a pris le même train ensemble. On était ensemble, on parlait. Et ce frère m'a posé une question. Cette question m'a choqué. Mais le Saint-Esprit m'a donné la sagesse de ne pas lui répondre.
Il m'a posé la question, il a dit, ah, mais j'ai appris que le Bénin, il y a, vous aimez l'idolâtrie, il y a de vos dons, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Il dit, bien sûr. Il me dit, voilà. Donc, la plupart des gens qui sont dans ces choses, ils ont toujours une protection. Il dit, mais si tu n'es pas chrétien, tu dois avoir quelque chose. Tu ne crois pas en Dieu, tu dois croire quelque chose. Et le frère m'a posé la question. Donc, et toi, t'as quoi comme protection? T'as quoi comme vaudou? Ah, ça m'a choqué au départ. Je dis, mais ce frère, je priais avec lui. Hein. Je priais avec ce frère. Il m'a vu ce mot qui faisait la batterie à l'église. Et il sait que je suis chrétien. Mais il m'a posé la question, quelle protection j'ai? Quel est le vaudou que j'ai chez moi? Parce que quoi? Parce que je suis le béninois. Alléluia. Je ne dis pas ça pour blesser quelqu'un. Mais non, c'est juste pour vous dire. Il y a d'autres personnes qui sont chrétiens. Ils sont dans les congrégations. Ils se disent chrétiens. Mais ils ont encore un pied dedans, un pied dehors. Il y a encore des chrétiens qui s'attachent toujours aux traditions familiales ou aux choses de famille. Quand ils prient Dieu, ils vont à l'église, ils reviennent à la maison, ils font encore l'autre. C'est ça qui a poussé ce monsieur à me poser cette question. Comme les enfants d'Israël, qui étaient dans la présence de Dieu, qui étaient sous Moïse. Mais il y a parmi eux, nombreux ont encore le pied dedans, un pied dehors. Et ils ont perdu la vie. Il m'a posé la question, quel est le vaudou qui me protège moi? Parce que je suis un béninois. Je lui ai dit, frère, on est ensemble, ça fait combien d'années? Il m'a dit, voilà, on est ensemble au moins 2 ans, voilà. Et tu sais que je suis chrétien? Oui. Mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, mais les béninois, on sait que les béninois sont dangereux. Je lui ai dit, mais je vais te dire quelque chose. Pour ne pas te répondre. Chez toi, en Côte d'Ivoire, tu vas me dire, il n'y a pas des gens qui pratiquent des choses occultes. Peu après, le pasteur de cette église est venu prêcher, il est venu de la Côte d'Ivoire. Et il donnait son témoignage. Il disait, mon papa était un grand féticheur. Pour circoncire quelqu'un, on n'a pas besoin de le couper. Il suffit de prononcer un mot ici, la personne est circoncise chez lui. Chez elle, excuse-moi. Et Alléluia. Je me suis dit, voilà. Donc, dans chaque pays, il y a toujours des idolâtres. Dans chaque pays, dans chaque nation, il y a toujours des gens qui pratiquent des choses occultes. Dans chaque congrégation, il y a encore des idolâtres. Quand vous remarquez une grande foule, dans une église ou dans une congrégation, ne croyez pas qu'il y a tout ce monde sont des chrétiens, comme les enfants d'Israël. Ceux qui regardaient Moïse avec les enfants d'Israël, oh, ceux-là sont des enfants de Dieu. Alors, il y en a parmi eux encore qui sont encore des idolâtres. Ils ont encore un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, je vais demander à la régie. Parce que nous allons encore louer, pour ne pas dire que le frère Gilbert est en train de prêcher trop. Nous allons écouter celui-là, il s'appelle Mike Kalambay, en featuring avec Lévi Monton, dans Jésus la gloire. Écoutez-moi ça, pour la gloire du Seigneur. Louange, louange, louange à Jésus.
Effectivement, il est dit de loin de notre Dieu. Il est merveilleux. Je suis dans la joie. Avant, j'allais dans les boîtes de nuit, agent de danser dans les lieux bizarres. Maintenant, je danse pour la gloire du Seigneur. Il faut danser pour la gloire du Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous allons continuer notre enseignement. Donc, je disais tantôt, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ça existe encore aujourd'hui parmi nous. Ça existe encore aujourd'hui dans nos congrégations. Il y a des familles qui sont chrétiennes, mais quand ils ont des jumeaux, il faut la tradition familiale. Sinon, les sorciers ou les ennemis vont bouffer ton bébé. Je te dis, c'est faux. Moi, dans ma famille, il y a eu des jumeaux. Il y a eu des triplés. La majorité de ceux-là, pour ne pas du tout, on n'a jamais fait une tradition pour cela. Parce que quoi? C'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui va les protéger. Je vais souhaiter que la régie nous lise ce passage rapidement. Et on continue notre enseignement. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 20, chapitre 20, verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Alléluia. Dans Ézéchiel, c'est clair ce que je viens de vous dire. Ézéchiel est en train de dire clairement ici, ne suivez pas les préceptes de vos pères, les traditions de vos pères. Quand tu es chrétien, on te propose, oui, pour avoir la protection. Tu dois garder ça. Pour avoir la protection, tu dois garder quelque chose sur toi, sinon tu auras des ennuis. Non, ton Dieu qui t'a créé, ce Dieu, il est merveilleux. Il ne va pas te laisser tomber. Ce Dieu, c'est un Dieu protecteur. Il ne va pas te laisser tomber. Parce que pourquoi? Quand on te dit, voilà, tu es chrétien, mais pour avoir la protection, il faut garder ça. Il faut toujours garder les traditions de la famille. Sinon, les gens, comme un comédien ivoirien qui disait, ils vont couper Iyam avec toi. Ils ne vont pas couper Iyam avec toi. Parce que le Dieu à qui tu fais confiance, c'est un Dieu profond. Un Dieu tout-puissant. Il dit, ne suivez pas les préceptes de vos pères. Parce que tu as un autre père. Le Père Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui te protège, qui te garde. Les traditions, de génération en génération, les traditions qui sont dans ta famille, quand tu étais dedans et Dieu t'a arraché de là, tu ne dois plus les suivre parce que tu as changé de camp. Tu ne peux plus continuer à marcher sur ces traditions. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 18, vous pouvez lire chez vous, vous allez voir ce que Ézéchiel est en train de dire par rapport aux traditions. Ne suivez pas les traditions, les préceptes de vos pères. Vos pères ont fait des erreurs. Aujourd'hui, vous avez eu la grâce en Jésus. Donc, ne suivez pas les préceptes de vos pères. Gardez toujours la main. Gardez toujours. Soyez ferme dans ce que vous faites sur la voie du Seigneur. Parce que ceux-là, bien aimés, ils étaient encore en Égypte. Quand Moïse est venu, il a dit, suivez-moi. Il est parti, même dit à Pharaon, laisse les enfants de Dieu partir. Mais ceux-là, ils étaient avec Moïse. Mais leur cœur était encore en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas oublié leur façon d'adorer, leur façon de louer les dieux égyptiens. Ils ont encore un pied dedans, un pied dehors. Mais pourquoi? Pourquoi avoir un pied dedans, un pied dehors? C'est parce que tu n'es pas, tu ne crois pas réellement à ce Dieu-là. Tu n'adores pas encore à ce Dieu merveilleux, ce Dieu extraordinaire. C'est Dieu qui te protège, personne ne peut te toucher. Quand tu crois réellement à ce Dieu,
Tu crois en ce Dieu. Personne ne peut te détourner de ce chemin. Mais quand tu ne crois pas, ta foi n'est pas 100%. C'est pourquoi tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Nous allons encore louer le dernier chant. Il s'appelle, c'est une adoration. Immortel Kaniki, dans Jéhovah. Jéhovah est notre Dieu, c'est le nom de notre Dieu. La régie, on y va. Écoutez-moi ça. Soyez les bienvenus à Bouraman Saka, que le Saint te bénisse. Soyez les bienvenus aussi, le frère Isaac Akramavo. Alléluia, son nom est Jéhovah. Soyez bénis. Pour que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct qui va bénir quelqu'un, qui va édifier quelqu'un pour la gloire du Seigneur. Soyez bienvenus. Le frère Franco Nansou, que le Seigneur te bénisse. Et ton nom, merci Seigneur, alléluia.
Acclame Dieu comme le Seigneur, il est merveilleux. Là où tu es, acclame le Seigneur. Je suis en train de toucher. Je ne peux pas regarder ce direct sans recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. 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 Je vais demander à la régie de nous lire le dernier passage de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit clairement, si tu n'es ni froid, ni tiède, Dieu va te vomir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu seras vomi par Dieu. Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu veut que tu mettes tes deux pieds dedans afin que tu reçoives toujours sa bénédiction, sa protection. Mais quand tu as un pied dedans, un pied dehors, tu seras vomi. Si tu n'es ni froid, ni tiède, parce que tu ne peux pas être au milieu des deux, à peu près. Tu n'es pas froid, tu n'es pas tiède. Tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud, tu es tiède. Et tout ce qui est tiède devant Dieu, Dieu les vomit parce que ils se sont pas donnés 100% à Dieu. Je te salue, mon frère Simon Wangler, que le Seigneur te bénisse. Sois le bienvenu sur notre direct. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je prie pour toute personne qui regarde ce direct ou qui a déjà regardé ou toute personne qui va regarder après que le Seigneur te bénisse. Je voudrais vous dire aussi pour l'annonce, ce direct est sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, quelques heures après ce direct est diffusé sur ma chaîne YouTube. Gilberto Coupe Medi. Soyez bénis. Nous sommes toujours là pour glorifier notre Dieu, pour élever notre Dieu. Pour que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce et le bonheur nous accompagnent toujours. Nous sommes là toujours pour la gloire du Seigneur. Rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. See you next week. In Jesus' name. Thank you. Bye. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.